Salut, salut! Donc aujourd'hui on se retrouve sur Destiny 2. Donc c'est une vidéo en commentary. Donc voilà. Donc je vais vous montrer à peu près donc, les étapes. Donc les étapes arriveront plus tard. Donc la première étape c'est de récupérer la quête donc, pour la Fondation Empyréenne directement chez Saint-14. Une fois que vous l'avez récupérée, donc vous devez aller au cadran solaire, éliminer le boss final. Donc je sais plus le nom du boss exactement. Et une fois donc vous avez éliminé ce boss, il vous faudra faire 30 orbes de lumière. Une fois que ces orbes de lumière sont faites, vous devez retourner donc à l'obélisque de la tour et donc finaliser donc l'obélisque avec donc les lumières fractales donc que vous avez. Ces lumières fractales donc vous pouvez en avoir partout dans l'obélisque. Dans le cadran solaire, vous pouvez en avoir dans toutes les activités. Donc vous pouvez en avoir assez souvent. Donc une fois que vous avez fait ça, donc il va vous demander aussi de faire les fameux 11 niveaux donc des obélisques. Alors ça va assez vite. Ce qui va juste peut-être vous poser des problèmes si vous n'avez pas assez de lumens, ça sera donc pour les détections des matériaux. Ça prend à peu près 3000 lumens et 20 000 la lumière fractale une fois que vous l'avez fini. Donc ça sera en jaune. Ça vous fait passer un niveau au niveau de l'obélisque. Et une fois que vous avez ça ira tout seul. Notre première étape, parler à 514. Aller au cadran solaire, terminer donc directement l'assaut. Une fois que vous avez terminé l'assaut, vous tuez donc le spion. Une fois que le spion est mort, vous allez faire donc encore une fois un cadran solaire, mais vous faites pour les armes de lumière. Préférence arme en pièce maîtresse, donc que vous avez. Moi par exemple, j'avais le lapin de Jade avec la recluse et le marteleur, donc ça a été assez vite. Au bout de la deuxième phase, j'avais déjà ce qu'il fallait, donc c'était pas un problème, donc ça a été assez vite. Et une fois que vous avez fait ça, donc il va vous demander de retourner à la tour et de finaliser, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça va vous prendre à peu près 1 heure et demie pour tout faire. Moi je vous le dis, ça va vous prendre 1 heure et demie, pas plus. En demi-heure, si vraiment vous êtes bon, mais au moins 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser regarder toutes les étapes. Donc pour pas que vous en loupez. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et donc on se retrouve très bientôt. Allez, tchuss!